Salut à tous, c'est Job 57 pour un petit tutoriel pour les débutants pour organiser une batterie. Donc là nous nous trouvons sur Virtualden et je vais vous montrer un exemple parmi tant d'autres comment organiser sa batterie rapidement. Alors voilà, comment ça se passe? On va faire la batterie sur cette partie de la map. Donc les fossés seront côté là à l'intérieur et le tracker lui démarre toujours de la loge en général. Donc vous faites une partie assis, donc vous dites tous rendez-vous à la tente si vous avez du temps. Donc les fossés viennent ici et attendent les consignes de l'autre, c'est là qui a créé la partie. Donc celui-là qui traque, il vient à la loge ici, l'autre de la partie du dessin son chemin de trac, par exemple celui-là. Et le rôle du tracker. Alors le rôle du tracker est très simple. Il doit avoir deux fusils, une carabine. Il faut prendre la 9.3, la 3.56 pour faire beaucoup de bruit. Et un fusil à pompe avec un maximum de cartouches. Donc si maintenant il a une centaine de cartouches, par exemple, qu'est-ce que le tracker fait? Il court du début de la traque jusqu'à la fin sans arrêter quasiment de tirer, donc pas en rafale jusqu'au bout, mais tous les 5 mm, il tire, il tire, il tire, comme ça ça empêche que le gibier rentre dans la trace, à savoir que le gibier va sortir comme ça. Et quand les autres fossés vont tirer, le gibier peut faire des retours en trace. Mais s'il entend assez souvent des petits feux, il y a des chances qu'il ne revienne pas en trace. Donc voilà, ça c'est le rôle du tracker. Après, les fossés. Alors, l'autre de la partie donne différents postes à différents joueurs. Donc, en principe, si là tu organises ta batterie, à déjà un peu regarder un peu partout les postes qui sont là. Donc, moi, comment je vais regarder? Ben, je sais qu'il y a un chemin qui passe là, un chemin qui passe quelque part par là, un chemin qui passe vers ici, et un chemin qui passe vers là. Donc, les sangliers peuvent faire des allers-retours comme ça. Quand ils vont sortir de là, ils vont essayer d'aller directement vers le site. C'est la première des choses qu'ils vont essayer de faire. Donc, comment on peut organiser ça? Ben, on dit voilà, ici on fait poste 1, comme ça il a une vue sur l'ensemble. Si on a même sans tout temps, hein, si on a tout temps, on dit ben, tiens, poste 2. S'il n'y a pas tout temps, ben, on le met sur la poussée. Après, on peut en mettre un autre ici, sur la butée là, et un autre sur la butée du dessus, hein, ça n'empêche rien. Faut essayer de tomber un petit peu. Après, on peut mettre un troisième, par exemple, ici. Voilà. Comme ça, il est un peu, il bloque un peu les passages, là. Et on peut mettre un quatrième, ici. Voilà. Comme ça, lui, il couvre un peu la zone. Donc ça, c'est une partie à 5 joueurs. 1, 2, 4 fossés plus le tracker. Après, si vous êtes assis avec le tracker, donc il y aura 5 fossés. Donc on peut rajouter un fossé par exemple ici. Voilà, on met le 5e ici. Comme ça, tout ce qui passe derrière celui-là qui est tout le temps, ben, il va pouvoir un peu gérer et rattraper tout ça. Après, si vous faites une partie à 7, etc., etc., ben, vous mettez un 6e là en bas. Comme ça, ça comble à peu près toute la partie. Donc voilà, ça c'était un exemple de batterie que je choisis sur cette partie de la map. J'espère que ce tutoriel vous aidera et vous aider si vous l'avez déjà fait en ayant visionné ma vidéo. Et je vous dis à bientôt sur un prochain tutoriel. Allez, ciao!